Septembre 1904. Frédéric Sauzère, le fugueur, a 17 ans. Il arrive de sa Suisse natale. Il est apprenti dans une banque. J'étais à Moscou. Dans la ville des 1003 clochers des 7 gares. Mais je devais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Un vieux moine me disait la légende de Novgorod. En Sibérie, tonnait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra. Et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Freddy voyage à bord du Transsibérien, qui vient d'être achevé. Il est en compagnie du marchand Rogovin, qui l'initie au commerce et au troc. En janvier 1905, Frédéric Sauzère est à Saint-Pétersbourg. Il est apprenti chez le bijoutier Lebas. Le 22 janvier, 12 000 ouvriers se mettent en grève à l'usine Poutilov. Leur but, rejoindre le palais d'hiver pour présenter une supplique au tsar Nicolas II. Le dimanche rouge ouvre la révolution de 1905. Coup de fusil, mitraillade, bombe qui éclatait de plus en plus souvent, accompagnée d'un bruit sourd de foule qui piétine et qui grossit ou se débande et se met à courir dans les nagaïkas et les cris rauques des cosaques, excitant leurs petits chevaux sauvages, perçaient jusqu'à moi à travers les rideaux de fer abaissés de ma chambre forte. On ne sortait pas. Je m'étais absorbé dans la contemplation. La répression est terrible. Freddy se réfugie à la bibliothèque impériale pour s'intoxiquer de lecture. Tantôt c'est Lamartine, tantôt ce sera Spittler, tantôt, n'est-ce pas? Et c'est étonnant parce que c'est très très vaste et très éclectique. Il passe d'un auteur à l'autre et il prend des notes. Il prend des notes toujours, il intègre, il se nourrit constamment. Et là, il copie aussi, ou il garde le brouillon de lettres qu'il envoie, en particulier dans ce cahier-ci, à Hélène. À Hélène, cette jeune fille russe qu'il a rencontrée à Saint-Pétersbourg, et qu'il quitte ensuite pour rentrer en Suisse, et à laquelle il écrit à partir de la Suisse quand il a quitté Saint-Pétersbourg. Un abîme nous sépare. Vous avez su réchauffer mon cœur, faire vibrer mon âme, que j'avais volontairement endurcie. Je voudrais vous serrer dans mes bras, mais le seul frôlement de votre main sur mon bras me fait mal dans tout le corps. En 1907, Freddy est rappelé au chevet de sa mère malade. Il rentre à Neuchâtel et écrit à Hélène. Nous n'avons pas ses réponses, mais il semble qu'elle souffre de cette séparation. Bâle, 11 avril 1907. Très cher ami, me voici à Bâle depuis 2 jours. Et je n'ai pas eu encore le temps de remplir ma promesse, c'est-à-dire de vous envoyer mes notes de voyage. Je vous les enverrai depuis Neuchâtel, où je serai demain. Je parle toute la journée de la Russie, de ce que j'ai vu, de ce que j'y ai fait, de vous. Neuchâtel, 20 avril 1907. Pendant tout le trajet, j'ai été plongé dans la lecture de mon journal. Arrivé à la maison, j'ai eu peine à reconnaître ma mère tellement elle a changé et vieilli. J'ai eu peine à retenir mes larmes. De jour en jour, le ton de la correspondance change. Le 4 juin arrive une lettre alarmante d'Hélène. Le 11 juin, Freddy expédie des roses qui se croisent avec une carte du frère d'Hélène. Elle est à l'hôpital. Hélène a renversé sur son lit sa lampe à pétrole. Le lit a pris feu, Hélène est brûlée. Brûlée vive. Brûlé à mort. Je crache sur la beauté qui amène le malheur. Je crache sur la raison qui veut être trop belle. Je crache sur le destin qui ne veut rien admettre. Je crache.
crache sur les mots qui trompent l'animal. Je crache sur la vie qui n'écoute pas la vie. Sauzer Ludwig Friedrich von Sigriswil est immatriculé sous le numéro 410 à la faculté de médecine de Berne pour le semestre de l'été 1908. Il s'est inscrit en psychiatrie. À la clinique universitaire de la Waldau, il doit s'occuper seul des malades. L'un d'eux servira de modèle, 19 ans plus tard, au personnage étrange de Moravagine dans un hôpital transposé en Waldensee. Tout ce qui est humain y est étranger. On y exerce le chantage, la séquestration. On combine les douches, les poisons. On escompte la prostration nerveuse, l'exaltation de la sensibilité. Je voulais dresser un réquisitoire terrible contre les psychiatres, leur psychologie. Accablé par la mort de sa mère, obsédé par sa culpabilité pour la mort d'Hélène, Freddy erre dans Berne. Il s'inscrit en musique, au cours d'harmonie et de contrepoint, puis à l'université de lettres comme auditeur libre. C'est là qu'au mois de mai 1909, il remarque Fela Poznanska. Et Fela Poznanska est la personne qui, la toute première, a ressenti, a pressenti qu'elle était devant un homme tout à fait exceptionnel et un grand, grand poète. Comme souvenir de cette rencontre, et il faut se replacer à l'époque, c'était 1909, c'est une époque où les jeunes gens n'avaient pas forcément des rapports intimes, mais la passion était si forte et les pulsions étaient si fortes qu'ils se sont rejoints. Et Blaise dessine Fela sur le divan où la grande union est toute première, s'est faite, recouverte du châle qui lui vient de sa mère, de la maman de Freddy. Tout l'amour de la terre est si sincère ce soir que tu es couché, telle une colline couverte de vignes, et moi, je suis un fleuve qui coule, lent et fier, un fleuve qui charrie le soleil de ton nu et qui boit, lent et fier, le vin de ce soleil. Je t'épouserai. Il est suisse, mais par pur hasard. Il aurait pu naître dans n'importe quel autre pays, il s'y trouverait parfaitement chez lui. Je le regarde et je trouve qu'il rassemble peu aux gens de son pays. Il porte la chevelure d'un Gorki, la vareuse de velours et la large cravate d'un Baudelaire, et dans les gestes, la grâce d'un Italien. Il pourrait aussi être polonais. Et voilà qu'en lui parlant, je sais soudain que c'est lui, le mystérieux donateur des offrandes florales. Tandis que je le remercie, nos deux sourires ne sont plus qu'un seul sourire. Et c'est à cet instant que je suis devenue la femme destinée à connaître le vrai visage de ce jeune incompris. Effectivement, Freddy revit. Freddy se confie, raconte à Fela la légende de Novgorod, la tragédie d'Hélène. J'ai commencé à écrire à Saint-Pétersbourg, imaginez-vous. J'ai écrit d'une façon curieuse. Je me suis réveillé en sursaut, j'avais fait un drôle de rêve. J'ai écrit une espèce de poème. C'est une chose qui m'est absolument jaillie de l'inconscient. Et ma mémoire aujourd'hui est comme la nuit blanche, car on a enlevé mon Hélène, et Troie est déjà réduite en cendres. Il n'en reparlera plus jamais, à personne. Fela et Freddy s'aiment, se racontent leur vie en français, en russe, en allemand. Ils s'émerveillent du miracle qui les unit. Ils marchent dans les jardins d'Elfenau, sur les rives de l'Aar. Puis ils quittent Berne pour rejoindre à Bruxelles les poètes de la synthèse,
avant de s'installer à l'hôtel des étrangers au 214 de la rue Saint-Jacques à Paris. C'est la misère. Freddy court les éditeurs pour proposer des manuscrits. Tout lui est refusé. Heureusement, il retrouve par hasard un ami d'enfance du gymnasium de Bâle, Auguste Sutter, devenu sculpteur. Sutter prend Freddy comme modèle et aide le jeune couple à survivre. Mais cela ne suffit pas. Fela part pour New York, rejoindre sa sœur et gagner l'argent pour vivre avec Freddy. Mais Freddy part d'abord à Saint-Pétersbourg. C'est comme un appel, le besoin de se libérer d'un passé douloureux. Saint-Pétersbourg, 1er novembre 1911. Mon cher Sutter, Fela m'a envoyé un billet de passage pour le bateau. Elle veut m'avoir près d'elle. Et je m'embarque mardi pour l'Amérique. Je suis d'une humeur radieuse. Freddy voyage à bord du Birma, sur la ligne Libao-New York, du 21 novembre au 11 décembre 1911. Il tient la promesse qu'il s'est faite, il écrit tous les jours. Je marche à grands pas sur le pont, en sifflant, en chantant et rythmant l'ouverture du Hollandais volant. C'est dans ces parages qu'il faillit faire naufrage, Wagner. Je suis partout, de bout en cap, toujours adossé quelque part, écrivant. Spectacle grandiose. Le bateau s'élance de montagne en montagne, se cabre, les vents hennissent. Et dans tout ceci, dans toute cette sévérité âpre et grave, règne ta présence, Fela. Je lisais tant et tant de choses extraordinaires que, et comme j'étais un pauvre, je marquais très mal, les conservateurs, les employés m'ont remarqué. Un jour que je me rendais à ma place habituelle, un des libraires m'a fait signe et m'a dit, écoutez monsieur, on vous a préparé un petit bureau, vous serez bien tranquille, vous serez bien tranquille. Tous mes livres étaient alignés là, j'avais des rames de papier blanc, j'avais des crayons soigneusement taillés, un nègre à ma disposition pour aller chercher d'autres bouquins, je n'avais jamais assez. 14 avril 1912. Ton état désespéré m'a beaucoup fait souffrir, Fela. Que faire? Je ne sais pas. Tu pensais pouvoir suffire? Tu ne peux pas. Je te suis éternellement reconnaissant. Je te dois 2 mois de liberté. Merci. Le dimanche de Pâques est arrivé, la bibliothèque était fermée. Et alors, tournant en rond dans les rues, autour de tous ces blocs, se voit une église presbytérienne où on annonçait la création du monde de Haydn. Je me suis dit, je ne vais pas rater la chose pour écouter cette belle musique. Et vers les 2-3 heures du matin, 3-4 heures du matin, je rentrais chez moi, la 67e rue. Je me suis couché, je me suis endormi. Je me suis réveillé en sursaut, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit jusqu'au petit jour, et le petit jour j'avais pondu les papes à New York. Comme je les ai publiés, il y avait 3 ratures, un point c'est tout. Le poète a trouvé son écriture, son style. Mais ce n'est plus Freddy. Freddy est réduit en cendres. De ses cendres renaît un homme nouveau, le poète, qui se destine à brûler et à renaître encore et encore. Blaise Cendrard, donc, est de retour à Paris. Là, avec un ami suisse, Émile Zitia, il crée la revue Les Hommes Nouveaux et installe le siège social dans la mansarde où il loge, 4 rue de Savoie. Le premier volume d'une collection d'ouvrages s'intitule Pâques. Cendrard avait envoyé son manuscrit à Apollinaire, sans succès. Il lui envoie cette première édition, car comment trouver la clé de la ville multiple, la clé des lettres et des arts d'avant-garde, sinon avec le poète Guillaume Apollinaire, chroniqueur dans les meilleures revues,
le Mercure de France, les soirées de Paris. Pour fêter ses 25 ans, Blaise, en passant devant la librairie Stock, place du Palais-Royal, vole à l'étalage un livre qu'il ne peut évidemment pas se payer, « L'Hérésiarque et compagnie » d'Apollinaire. Pris sur le fait, il note sur un bout d'enveloppe « À 2 heures, je vole un livre. Arrêté. Interrogatoire. Poste. Murs humides. Inscription cœur humain. L'amour. Le goguenot se vide comme dans mon cœur la rage. Grande impression de repos. Je m'accroupis. Désir d'y rester. Calme. » Il écrit aussitôt à Apollinaire. Veuillez, je vous prie, faire quelque chose pour moi. Désintéressé Stock. Je suis l'auteur de Pâques à New York. Blaise Cendrars. Le poème que je vous ai fait parvenir dernièrement. En fait, c'est grâce à la revue des Hommes Nouveaux, dont on commence à parler dans les milieux littéraires, qu'Apollinaire invite le jeune inconnu au Café de Flore pour le présenter à Robert et Sonia Delaunay. Et c'est chez eux qu'il est convié, rue des Augustins, à lire son poème. Blaise est maintenant un habitué des cafés de Montparnasse, le Dôme, la Rotonde. Attrayant, mystérieux, le verbe haut, Blaise raconte la Russie, la Chine, l'Amérique, ses aventures, ses rencontres, affirmant ses idées résolument révolutionnaires en poésie, en écriture, en littérature. Tout est à repenser, à refaire, il faut retourner aux sources. Par sa recherche d'un langage nouveau, Cendrars se découvre une profonde parenté avec tous ces jeunes peintres, traités de farceurs et de barbouilleurs. Fernand Léger, Marcel Duchamp ou Marc Chagall, rencontrés à La Ruche. La Ruche, qui avait été un pavillon de l'exposition de 1900, a été transformée par Alfred Boucher, sculpteur et mécène, en atelier pour artistes pauvres. Au Petit Biard, un café du Boulmiche, un bohème, cheveux longs, mal vêtu, vient tous les soirs et sur un guéridon, griffonne, écrit. C'est le premier grand voyage de sa vie. Prose du Transsibérien et de la petite Joanne de France. Non seulement il l'écrit, mais il l'imagine dans une certaine forme d'impression, de présentation. Et Blaise et Sonia ont décidé de faire ensemble un livre, le premier livre simultané. C'est une œuvre d'art totale qui intègre aussi bien l'écriture, la peinture, la forme, la matière. Il est en parchemin et la dédicace a fait là ce livre qui tient à tout mon être. C'est dédicacé en 1913. Et on voit là-dessus à quel point le soin et l'attention est donnée à la pénétration des couleurs dans le texte, au choix de la typographie, et selon le rythme, selon la pensée que les vers transmettent, la typographie est différente. Et les couleurs traduisent l'émotion qui vient à la lecture de ce texte. Fela est revenue d'Amérique. Blaise et Fela habitent maintenant à la campagne, à Forges par Barbizon. Dans le secret, il travaille et prépare, sous le titre « Moravagine idiot », un sujet qui l'obsède depuis le temps de ses études à l'hôpital psychiatrique de Laval d'Ao. Il lui faudra 10 ans de réflexion pour l'achever et le publier. Un jour, il rentre de Chartres à bord de l'automobile d'un ami qui s'arrête à Saint-Cloud et c'est en sautant par-dessus la portière qu'il se casse une jambe. On me transporta dans l'hôtel le plus proche, l'hôtel du Palais, tenu par Alexandre Dumas, père et fils. Je restai là, dans ce lit d'hôtel, durant 28 jours. Et Delaunay lui apporte palette, pinceau, tube de couleur et quelques toiles, quelques planchettes. Il se met à peindre, un tableau par jour. Ce seront 28 tableaux. Je me suis arrêté de peindre parce que je commençais à me poser des questions de peintre. De retour à Forges par Barbizon, où Fela l'attend avec leur bébé Odilon, Blaise écrit, rêve, marche, écrit. Et dans la splendeur de cet été 1914, il s'en va au champ avec les paysans. Mais le 27 juin, à Sarajevo,
un homme tire sur l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois. Je m'étais engagé, et comme plusieurs fois déjà dans ma vie, j'étais prêt à aller jusqu'au bout de mon acte. Mais je ne savais pas que la Légion me ferait boire ce calice jusqu'à la lie, et que cette lie me saoulerait, et que prenant une joie cynique à me déconsidérer et à m'avilir, je finirais par m'affranchir de tout pour conquérir ma liberté d'homme. Être un homme. Et découvrir la solitude. Et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines de feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. Un obus arrache le bras droit de Blaise. Il reconnaît l'un des brancardiers de la Croix-Rouge, le peintre Sinoviev, un russe, un des 80 000 volontaires qui ont répondu à l'appel de Sandra Redcanudo. Sinoviev trouve alors le courage de peindre ce qu'il a vu le 28 septembre 1915. Pour ne pas me sentir corporellement diminué par l'amputation de mon bras droit, dès que j'avais pu me mettre sur mon séant, tous les matins, à l'aube, je boxais un petit quart d'heure dans mon oreiller. Mon bras saignait abondamment, mais je n'en tenais pas compte, surmontant la douleur pour porter des coups redoublés et de plus en plus vite avec mon moignon, grâce à quoi, aujourd'hui, je pilote aussi bien mon automobile de course que j'écris à la machine ou sténographie de la main gauche, ce qui me vaut de la joie. Dans ses vagabondages à travers le Paris de la guerre, Blaise aime à s'asseoir au jardin du Luxembourg. Inspiré du jeu des enfants, Sandra réécrit un poème, ironique et désenchanté, « La guerre au Luxembourg ». Il n'y a que les petits enfants qui jouent à la guerre. Comme c'est beau, un fusil. Puis on relève les morts. Tout le monde veut en être, ou tout au moins blessé. Coupe, coupe, coupe le bras, coupe la tête. Croix-Rouge. Les blessés accrocheront leur médaille à l'Arc de Triomphe. Blaise retrouve à Paris l'Italien Amedeo Modigliani. Inséparables, ils vont faire du pétard dans les rues, aux terrasses des cafés. Nous avons bien ri ensemble, et je l'ai perdu de vue quand son fric a été bouffé et qu'il est parti comme un pauvre vivre au bateau lavoir à maman. Là. Hein? Ah oui, elle l'a bien connu, la patronne. Il est venu ici et je regrette. Il devait faire tes murs. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce que malheureusement j'ai été malade. J'aurais dû le laisser travailler. Mais oui. Il ne me demandait pas grand chose pourtant, le brave homme. Il me demandait simplement que la peinture. Que te disais à boire parce qu'il avait toujours soif. Mon cher ami, comme beaucoup. Oui, mais il mangeait guère. Hein. C'est-à-dire, quel dommage qu'il n'ait pas peint tout ça, là, tous ces murs. Qu'est-ce que je te dois, moi? Tu me dois 65 francs. C'est tout? C'est pas cher. Non, hein. Tu as des prix d'avant-garde. Oh oui, chez nous, on n'estampe pas les gens. Tiens, voilà 100 francs. Et puis je garde le pourboire. Bien sûr. Merci, mon gars. Pour la petite de Modigliani, la dernière qui viendra. À la tienne, ma vieille. Hein. À la tienne, mon grand. En sourire, et moi, je coupe. De ce brave gars. Francis Picabia attire Blaise au nouveau mouvement Dada. On fait circuler leur revue, Cabaret Voltaire, dans laquelle, sans avoir consulté Sandrard, est publié son poème, Crépitement.
Très vite, Sandrard s'en éloigne. Il est trop jaloux de sa liberté et de son indépendance. Il part sur les routes en roulotte. C'était en 1916, à mon retour du front. J'avais suivi la caravane du théâtre ambulant, de la tribu de Sao. Puis, exaspéré par les femmes de la tribu, il part dans la campagne. J'enjambais d'étroites planches qui franchissaient des tranchées pleines d'eau et une verdure cultivée, et je me heurtais, sur les talus et les remblais, à des barrages constitués par des hottes pleines de cressons. Et j'arrivais, au bout d'une demi-heure, dans un hameau. La Pierre, la capitale des cressonniers. Là, Blaise apprend à écrire de la main gauche. C'est dans cette grange que j'écrivis en une nuit la fin du monde filmée par l'ange Notre-Dame. Ma plus belle nuit d'écriture. Comme on se rappelle sa plus belle nuit d'amour. Blaise devient éditeur avec La Sirène. Il s'attelle aussitôt à son troisième grand poème, Le Panama ou l'aventure de mes sept oncles. À cette époque, Blaise fait une importante rencontre, la jeune comédienne Raymonde du Château. À l'automne 1917, Blaise est encore convalescent. Il a droit à un logement dans le Midi avec Fela, Odilon et Rémi, né en avril 1916. Ils sont à Nice, à la Villa Véranda, avenue des Fleurs. Les vieux amis viennent vite y trouver du thé et de l'amitié. Ce sont les peintres Survage, Soutine, Modigliani et Marcel Lévesque, acteur de cinéma, rencontré au studio de la Victorine au moment où Blaise fait l'acteur de complément pour Abel Gance. Dans J'accuse, je faisais tout. Le vice-metteur en scène, le chauffeur du patron, le comptable, le caissier et, dans Les morts qui reviennent, je faisais un macabé, tout empoissé dans de l'hémoglobine de cheval, car on m'avait fait perdre mon bras une deuxième fois pour les besoins de la prise de vue. Ça, c'était du cinéma. C'est ainsi qu'Abel Gance reprend Blaise, mais comme assistant, pour tourner son nouveau film « La roue ». Et que Blaise a l'idée de réaliser lui-même un court-métrage, le premier film sur le tournage d'un film qu'il intitule « Autour de la roue ». Ce fut un joli malentendu. Gance voulait une symphonie, pas moins, pour accompagner son film. Honegger composa ce morceau de bravoure qu'on donne depuis dans les salles de concert sous le titre « Pacifique 231 ». Et ce fut sans lendemain. Après la Victorine, Blaise part à Rome. Il y tourne son film « La Vénus Noire ». Expérience malheureuse. Lorsqu'il rentre à Paris, il engage Fela à rester en Italie avec Odilon, Rémi et la dernière née, Myriam. Ce sera le début de la séparation. Blaise Sandrard se remet à écrire exclusivement. D'abord une série d'articles sur ses amis les peintres dans la revue La Rose Rouge, puis des extraits du futur Moravagine Idiot. À cette occasion, il est interrogé par L'Intransigeant où il décrit sa méthode de travail. Premièrement, un état de pensée. Je vise l'horizon, je fouille, je sonde, je trace un angle déterminé, je happe les pensées au vol. Les encages toutes vivantes, pêle-mêle, vite et beaucoup. Sténographie. Deuxièmement, un état de style. Sonorité et image, je trie mes pensées, je les choisis, je les caresse, je les lave, je les pomponne, je les dresse, elles courent panachées dans les phrases. Calligraphie. Troisièmement, un état de mots. Correction, souci du détail neuf, le terme juste
exact, claquant comme un coup de fouet, et qui fait que la pensée se cabre. Typographie. Le premier état est le plus difficile. Formulation. Le deuxième le plus aisé. Modulation. Le troisième le plus dur. Fixation. À cette époque, Blaise est toujours très pauvre. Et Raymond, qui l'a invité dans sa mansarde, rue de Savoie, s'émeut de son dénuement. Elle vient d'hériter d'une petite maison près de Paris, au Tremblay-sur-Maudre. Elle offre à Blaise d'aller y vivre, ou d'y habiter quand il le veut, d'aller y travailler. Ce sera sa maison des champs. La compagnie des ballets suédois, dirigée par Rolf de Marais, créée le 25 octobre 1923 sur la scène du nouveau théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne, le ballet de Blaise Cendrars, La création du monde, sur une musique de Darius Milhaud et des décors de Fernand Léger. Blaise Cendrars est proche des musiciens, du groupe des Six, d'Éric Satie, d'Igor Stravinsky. Mais il prend à nouveau ses distances avec les poètes et avec le mouvement du surréalisme. C'est vers une autre aventure que Blaise Cendrars est entraîné, avec la rencontre des artistes et poètes modernistes brésiliens. Le roi du café, Paulo Prado, écrivain, bibliophile, invite Cendrars au Brésil. À peine le temps de donner les trois conférences annoncées et de présider un dîner littéraire offert en son honneur par Dona Olivia Penteado, et les artistes, écrivains, poètes, modernistas emmènent Blaise Cendrars à la découverte du Brésil. Ils ont un talent fou, de l'esprit, de la drôlerie, un vocabulaire populaire, argotique, nègre. De janvier à septembre 1924, puis dans les quatre séjours qui suivront, Blaise vit au rythme nonchalant des belles fazendas. Il emmagasine un énorme matériel qui reparaîtra dans son œuvre jusqu'au lotissement du ciel. C'est Prado qui m'a initié à l'histoire du Brésil et m'a inculqué l'amour de son pays, dont je devais subir l'influence au point que je considère le Brésil comme ma deuxième patrie spirituelle. À la fazenda du Morro Azul, Blaise décide de devenir romancier. Il rentre à Paris, écrit et publie L'Or en 1925. Paris se donne aux années folles. Blaise y fait de courtes apparitions et s'en va. Il s'en va à la Redonne par en Suesse, dans les Bouches-du-Rhône, où il a loué le château de l'Esquérol. Le 1er mai 1927. Mon cher Paul, je travaille, mais je ne vois pas encore la fin du plan de l'aiguille, ni du John Paul Jones. Les autres, j'ai des années devant moi pour les finir ou les recommencer, mais ces deux livres-là doivent être faits avant l'été. Ici, je suis plus loin de Paris qu'au Brésil, mais beaucoup plus près en pensée de tout ce que j'aime, car je suis absolument seul, sans compagnie ni conversation. Et c'est fou à tout ce que l'on peut penser dans la solitude. Blaise doit faire face à une situation matérielle désastreuse. Il fait des traductions, propose aux éditions Haut Sans Pareil une collection d'une trentaine de titres. Les Têtes Brûlées, Le Lieutenant Bringolf, Al Capone le Balafré. Échec commercial total. La collection ne va pas plus loin. Blaise se réfugie à Biarritz, à la villa La Mimoserie, auprès d'une mécène chilienne, Eugenia Errázuriz, qui disait « Moi j'ai trois amours. J'ai mon peintre, j'ai mon musicien et puis j'ai mon poète. Le peintre c'était Picasso, le musicien Stravinsky, le poète c'était Cendrars. » La liberté de Blaise, c'est l'écriture. À Biarritz, il écrit « Une nuit dans la forêt » dédiée à Raymond. Pour la première fois, il remonte dans sa mémoire. Et c'est vol à voile. Je suis né natif de la Chaux-de-Fonds. Et on est au hasard. On est tout à coup dans un berceau. On ne sait pas d'où l'on vient. On ne sait pas d'où l'on est. On vous apprendra ça par la suite. Moi, j'ai toujours vécu comme ça.
Chaque fois que je me suis trouvé quelque part, à l'étranger, aux antipodes, n'importe où, en train de bourlinguer, je me demandais, mon pauvre petit vieux, qu'est-ce que tu fous là? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu dans ce pays et non pas dans l'autre? Exactement comme si je venais de naître. À Neuchâtel, j'avais fait des frasques, des blagues, des fredaines. À la fin de l'année scolaire, j'avais 375 heures d'absence non justifiées. C'est que l'école de commerce de Neuchâtel est édifiée au bord du lac et que je préférais aller faire une virée en bateau à voile et boire du petit vin blanc du pays. Et mon père me conduisit dans ma chambre où il m'enferma à clé. Ma fenêtre était au cinquième étage d'une grande maison blanche. Adieu, au revoir. Je n'aurais qu'à balancer ma valise par la fenêtre, enjamber la balustrade, m'y suspendre, me laisser tomber sur le balcon d'en dessous et descendre ainsi, de balcon en balcon, et en me laissant tomber, mes cinq étages. Et enfiler les petites ruelles qui mènent directement à la gare. En somme, j'étais sorti par la fenêtre comme un somnambule. C'était la première fois que je venais d'obéir à ce besoin d'évasion qui, si souvent, s'est emparé de moi, m'a fait faire des excentricités, prendre des résolutions extrêmes, soulevé par l'enivrante sensation d'être perdu, ou d'aborder un nouveau monde, ou d'avoir fait peau neuve. Blaise a été, pendant toute mon enfance et l'enfance de mes frères, Dylan et Rémi, a été un héros. A été un héros, mais un héros très familier. Il nous appartenait, nous étions un clan qui se nommait les Fromm, Fela, Rémi, Odi, Mira, puisque mon nom est Mira en russe. Et c'était quelque chose de très intime, Blaise. Blaise qui écrit, Blaise qui est un poète, Blaise qui voyage. Mais aucun de nous ne se doutait que Blaise était connu d'autres personnes que de nous. Parce que même quand nous recevions ces livres, que nous recevions toujours, où nous lisions ces livres naturellement, avidement, avec passion, mais nous ne savions pas qu'il y avait d'autres gens qui lisaient les mêmes livres. Mais moi, j'ai appris qu'il était célèbre lorsque j'étais au lycée à Nice et qu'il était journaliste, qu'il a fait son grand reportage sur le Normandie, qui était un grand événement au point de vue de la communication, puisque c'était la première fois que des articles étaient communiqués par radio. Et on l'entendait à la radio, sur des postes à galène, et nous allions dans des cafés où il y avait des postes de réception pour entendre Blaise parler à 6 heures du soir. Je me souviens, c'était vers la fin de l'après-midi, où on allait tous écouter Blaise parler à la radio. En 4 jours, des millions de Français ont entendu le nom et la voix de Blaise Cendrars. Vive le journalisme! C'est épatant de sortir de cette tour d'ivoire. Puis Pierre Lazareff envoie Blaise pour un nouveau reportage à Hollywood, au moment où Universal Pictures termine le tournage de l'adaptation de L'Or. Un reporter n'est pas un simple chasseur d'images. Il doit savoir capter les vues de l'esprit. Si son œil doit être aussi rapide que l'objectif du photographe, son rôle n'est pas d'enregistrer passivement les choses. L'esprit de l'auteur doit réagir avec agilité. Son tempérament d'écrivain, son cœur d'homme. Et quand je suis arrivée vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à me dire il faudrait quand même que je connaisse mieux ce bonhomme, puisque non seulement il est mon père et il joue un tel rôle par son absence même dans notre vie, mais je veux le connaître. Et il m'a reçu comme ça, dans sa chambre mansardée, il y avait un petit lit, un lavabo, une petite table avec la machine à écrire, un point c'est tout, et puis on est allé déjeuner ensemble, et c'est comme ça que j'ai commencé ma relation personnelle avec Blaise Cendrars. 3 septembre 1939. Blaise a 52 ans. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Blaise Cendrars ne reste pas en dehors du conflit. Une fois de plus, il s'engage.
comme correspondant de guerre auprès de la force expéditionnaire britannique. Je me perds dans les dates. Ce n'est pas possible. Tant de choses, tant d'événements, tant de malheurs, tant de lâchetés. Panique, bataille perdue, morts, malades abandonnés dans un hôpital qui brûlait, orphelins divagants, fous, lâchés en liberté. Blaise Sandrard est recherché par la Gestapo qui a perquisitionné et pillé la maison du Tremblay-sur-Maudre. Dans son Alfa Romeo, Blaise traverse la France en déroute. Il arrive à Aix-en-Provence. Comme autrefois à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, à la Central Library de New York, à la Nationale ou à la Mazarine de Paris, Blaise passe de longues journées à la Bibliothèque Méjeanne. Et puis, grâce au père Bruckberger, il fait de courtes retraites au couvent des Dominicains de Saint-Maximin. Mais il n'écrit pas une ligne. Après son long silence, impératif retour sur soi. Sandrard sort sa machine à écrire, les poussettes, s'installe à la cuisine, face au mur. Je n'ai pas perdu la main. Écrire 12-14 heures par jour, comme je le fais, congestionne le cerveau au point que je ne sens pas le froid. 21 août 1944. Ça y est, les Américains sont entrés ce matin à Aix. Tout s'est très bien passé. Plein de cette nouvelle énergie, Blaise écrit tour à tour La main coupée, L'homme foudroyé et Bourlingué. Raymond a quitté Paris et le théâtre pour rejoindre Blaise. Les voilà à Saint-Segond, un paradis dominant la baie de Villefranche. Certains amis sont bienvenus, comme le voisin Georges Braque. Mais trop souvent, les visiteurs le dérangent dans ce lieu béni où il travaille, comme un imbécile, 18 heures de machine à écrire par jour. Et termine le quatrième livre de son grand œuvre, Le lotissement du ciel. Blaise et Raymond se marient en 1939 à Sigrisville. « Nous avons atteint la sérénité complète de notre amour, » dira Raymond. « Alors nous avons pu nous marier. Il n'y avait plus rien que cette amitié, je dirais, hors commerce, qui a duré 44 ans. » Raymond est rappelé à Paris par le théâtre et son métier de comédienne. Blaise y retrouve Fernand Léger. Ensemble, ils refont les circuits de leur jeunesse pour publier « Paris, ma ville ». Encore une fois, à 68 ans, il se lance dans une nouvelle forme d'écriture, une nouvelle aventure, son dernier livre, « Emmène-moi au bout du monde ». Il est inspiré par le monde du théâtre qu'il a suivi depuis tant d'années à travers le compagnonnage de Raymond. En 1956, avec une première attaque d'hémiplégie, commence une longue maladie. Sa main gauche n'obéit plus. Pierre Lazareff offre à Blaise un dictaphone afin qu'il puisse continuer à écrire. Hélas, le seul enregistrement que Blaise réussit à faire, c'est le récit de la mort de son grand et irremplaçable ami Fernand Léger. Blaise s'obstine. Il s'applique aux exercices de la rééducation. Comme en 1915. Son meilleur outil de travail, c'est sa main gauche. Il ne renonce pas à écrire. Je serais un homme comblé si je puis aller mourir le jour dit, au point choisi, et disparaître anonymement, sans aucun regret du monde, à la source même du monde, en pleine mer des Sargasses, là où, pour la première fois, la vie s'est manifestée et a jailli des profondeurs de l'océan et du soleil. Près de 90 ans après sa publication, 35 ans après la mort de Blaise, un bibliophile bulgare découvre dans une boutique de Sofia un livret à la couverture noire, la typographie blanche, le titre en russe « Légende de Novgorod » par Frédéric Sauzère, Moscou, Saint-Pétersbourg, 1907. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 18 ans. C'est une chose qui m'est absolument jaillie de l'inconscient. La légende de Novgorod a été publiée à mon insu.
traduite en russe par un brave homme qui voulait me faire une surprise pour mon anniversaire. On en a fait un tirage de 14 exemplaires. La légende de Novgorod. Premier poème du jeune Frédéric Sauzer, âgé de 20 ans, vision prémonitoire de la destinée et de toute l'œuvre poétique de Blaise Cendrars. Je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie, et pour cela, il me fallait traverser la poésie de la vie.